Or, les aînés peuvent grandement bénéficier de la vie avec un piton. Cela brise l'éventuelle solitude et apporte beaucoup de joie et d'amour. Cependant, certains animaux demandent plus d'efforts que d'autres de la part de leurs humains. Attention, dépenses d'énergie, etc. Donc, si c'est une bonne idée d'adopter un chien lorsqu'on atteint un certain âge, il est primordial de faire un choix éclairé, afin que la cohabitation se déroule au mieux, tant pour l'humain que pour le compagnon à quatre pattes. On doit tenir compte du degré d'activité du chien, de l'importance des soins de toilettage nécessaires, etc. Pour vous aider à faire votre choix, voici donc 13 races de chiens qui sont considérées comme idéaux pour les personnes du troisième âge. 1. Le caniche. Contrairement à ce qu'on peut penser, le caniche ne demande pas beaucoup d'entretien. Ils ont tout de même besoin de rendez-vous de toilettage régulier, mais rien de compliqué. C'est un chien au caractère agréable et facile à éduquer. 2. Le cavalier King Charles. Selon l'American Kennel Club, ce chien est affectueux, doux et gracieux. Son pelage soyeux ne nécessite pas trop d'entretien en dehors des bains et des brossages réguliers. Cette race a été élevée pour devenir « chien de chevet » pour la royauté. Il a besoin d'exercices modérés, mais sera heureux de se détendre avec son maître dans la maison. 3. Le bichon frisé. Le bichon frisé est un adorable toutou qui adore les câlins et qui n'aboie pas beaucoup, selon Great Senior Living. Son besoin d'exercice est modéré et il faut le brosser régulièrement, mais il ne perd pas beaucoup de poils. 4. Le bulldog français. Ce petit chien au corps petit et trapu, selon The Spruce Pet, est fait pour être heureux. Il est assez actif, mais son endurance n'est pas énorme, alors de courts moments de gens suffisent à son bonheur. 5. Le bichon maltais. Le bichon maltais ne perd que peu de poils, si on les garde courts. Il a été élevé pour être un « chien de poche » et aime passer du temps dans la maison, avec tout de même un exercice modéré à l'extérieur. 6. Le chiche DSU. Voici un excellent chien pour les personnes qui vivent dans un petit appartement ou une maison sans jardin, selon l'American Kennel Club. Il est parfait pour les grands-parents, car il adore aussi les enfants. Si on garde ses poils longs, il faudra les brosser chaque jour, mais si on les garde courts, les besoins de toilettage sont moindres. 7. Le Poméranien. D'après Spruce Pet, le Poméranien ne pèse que 3 à 7 livres, ce qui est parfait pour qui veut amener son chien partout. Il devra visiter le toiletter aux 4 à 6 semaines et le brosser assez souvent. 8. Le Pembroke Welsh Corgi. Selon Vet Street, le Pembroke Welsh Corgi convient parfaitement aux personnes âgées qui sont un peu plus actives que la moyenne. Il faut savoir que ce chien peut atteindre un poids de 30 livres, ce qui est lourd pour certaines personnes. Et comme il a de courtes pattes, ce n'est pas le meilleur sauteur, donc on recommande de lui acheter un petit escalier pour qu'il puisse monter sur le lit ou le canapé. 9. Le bichon havanais. Les bichons havanais sont parfaits les gens qui veulent et peuvent passer beaucoup de temps avec leur chien. Mais il ne sera pas heureux si on le laisse souvent seul. Il est facile de l'éduquer et il ne demande pas énormément d'exercice, mis à part une promenade quotidienne. Son long pelage demande un brossage à chaque jour, à moins qu'on le coupe plus court. 10. Le lévrier. Les lévriers sont des chiens massifs, mais ce sont de gentils géants. Ils n'ont pas besoin d'autant d'exercices que ce qu'on pourrait croire et ce, même s'ils ont été élevés pour la course. Une promenade par jour est l'occasion de se défouler un peu dans le jardin ou au parc à chiens de temps en temps feront leur bonheur. Ils aimeront ensuite tout autant s'allonger sur le canapé. 11. Le Lhasa Apso. Ce chien est connu pour ses longs et beaux poils. Si on garde son pelage long, on doit lui donner un bain environ à toutes les 2 semaines et le brosser régulièrement. Mais on peut aussi les couper et réduire ainsi les besoins d'entretien. Il est plus énergique que certains petits chiens, mais Lacassé mentionne qu'une marche rapide brûlera cet excès d'énergie. Ce chien très intelligent est souvent utilisé comme animal de thérapie. Mais il ne demandera pas nécessairement de stimulation mentale de la part de ses maîtres. 12. Le Yorkshire Terrier. Ce chien est très intelligent et facile à entraîner.
Selon Canine Journal, il est relativement actif. Il aime se promener, mais il apprécie tout autant s'asseoir sur les genoux de son humain. Quand on garde son pelage court, on n'a pas à le toiletter beaucoup, même s'il lui fait un bain de temps en temps. 13. Le schnauzer miniature. Même si sa barbe peut demander un entretien sérieux, le schnauzer miniature est très amical et il aime les enfants, d'après la KC.